Je vous rassure les filles, toutes mes vidéos 2018 ne seront pas comme ça, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps avant de vous retrouver face à la caméra. Et en même temps, je trouve que c'est une façon originale de vous montrer tous mes derniers achats. Alors on commence avec ces jolis coussins que je vous ai montrés sur Snapchat et qui viennent tout droit de chez Ikea. Ensuite, il y a ces tables. Bon, en venant à Singapour, je m'étais promis de ne pas m'encombrer avec des meubles, mais j'ai craqué et en plus, elles coûtaient, je crois, 10 ou 12 euros et elles sont tellement pratiques. Ensuite, il y a ces petites choses que j'ai chopées chez Action lors de mon dernier voyage en France, comme ce plateau en bambou avec son petit tiroir secret et ses petits pots épices et ses saladiers. On passe à la mode et je commence avec des foulards. Oui, je sais, j'en ai énormément. J'ai une petite vidéo rangement qui arrive bientôt, mais en même temps, c'est mon job de vous faire découvrir des nouveautés et cela vient de chez Adeline à Nice et j'ai un petit code promo pour vous. Ensuite, chez H&M, j'ai craqué pour des petites choses. Cette veste rouge que j'avais repérée depuis super longtemps et vous voyez, elle est passée à 20 $ au lieu de 95, donc c'est une superbe affaire. Et ce haut rouge, oui, beaucoup de rouge, mais je les ai trouvés trop beaux. Ensuite, il y a ce petit haut que j'ai trouvé très féminin et qui me rappelait un haut que j'avais il y a très longtemps, lorsque j'étais au lycée. En tout cas, je trouve cette pièce vraiment très jolie, très féminine. En plus, vous voyez le prix? Oui, 10 $ au lieu de 45. Niveau make-up, j'ai pas énormément de choses. J'ai ce mascara à vous montrer de chez Clinique. Mon préféré, c'est le Choubidash, mais celui-ci est pas mal. Il est pas mal. Aussi ce rouge à lèvres de chez Givenchy. Bon, regardez le packaging, il est magnifique. Et en ouvrant le tube et en faisant le montage, je me suis dit, mais encore du rouge? Oui, encore du rouge, mais la couleur est tellement jolie et je pense qu'on a toutes besoin d'un rouge à lèvres rouge. Pour terminer, SHEINside avec vraiment de jolis coups de cœur, je vous redemande encore une fois, est-ce que 2018, vous voulez des vidéos SHEINside ou est-ce que j'arrête? Alors, il y a cette jolie robe, comme vous avez pu le voir, ce pull que je trouve hyper confortable et super mignon, ce manteau que j'ai beaucoup utilisé lors de mon dernier voyage en France, il est hyper chaud. Celui-ci qui est moins chaud mais que je trouve très classe, j'aime beaucoup les motifs. Il y a aussi ce sac à dos qui est nickel parce que mon ordinateur rentre dedans ainsi que toutes les choses dont j'ai besoin. Ce sac-là, bon, je suis un peu moins fan et vous savez, chez SHEINside, il y a vraiment des coups de cœur comme ces bottines que je trouve trop jolies. Franchement, elles sont super confortables et trop belles. Et aussi ce haut, bon, celui-ci, je ne l'ai pas porté parce que vous allez avoir le look sur Instagram. Et chez SHEINside, vous savez qu'il y a des flops comme ce pull qui est vraiment pas beau du tout ou encore ce jean qui fait hyper mal quand on s'assoit puisqu'on sent toutes les perles. Mais voilà, j'espère en tout cas les filles que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.